festivals présentant autant de disciplines, autrement dit le théâtre, la danse, les arts du cirque, les arts de la rue, le jeune public qu'on considère comme une discipline, la musique et l'humour aussi, l'humour ou le conte qu'on considère comme une discipline. Fait à peu près 70 spectacles, 112 représentations, un certain nombre sont gratuites pour les Lavallois. Des spectacles un peu atypiques, on va notamment présenter un petit déjeuner spectaculaire servi en contorsion dès 9h du matin avec la compagnie presque siamoise, ça s'appelle Au Point du Jour. On a un spectacle qui va se jouer dans un camion, le public est dans un camion qui est sur un gradin, lui-même positionné dans un camion qui roule à 6 km/h, et les comédiens jouent au cul du camion, donc ça aussi ça va être assez étonnant. Et puis de la musique, voilà, un peu pour tous les goûts et tous les âges. C'est un festival pour des adhérents de notre réseau, le réseau Chaînon. Ce sont des directeurs, des programmateurs qui viennent de toute la France et de l'étranger, de Belgique, de Suisse, de Canada, qui viennent à Laval pour voir une sorte de best-of de ce qu'ils auraient pu voir à Avignon, à Aurillac, aux Francofolies de La Rochelle, etc. etc. Les programmateurs viennent à Laval pour composer leur saison. Généralement, ils vont acheter 2, 3, 5, 6 spectacles. C'est-à-dire que sur les 70 spectacles présentés à Laval, ça génère plus de 700 représentations en France l'année suivante.